Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Jérôme, psychiatre et psychothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui résonne profondément avec mon propre parcours et ceux de nombreux patients que j'ai accompagnés au fil des années. Laissez-moi vous confier quelque chose. Il m'est arrivé de me tenir à la croisée de chemin, tout comme vous l'avez pu le vivre vous aussi. À certains moments, charnières, je me suis interrogé sur le sens de ma vie, de mon existence. J'ai réfléchi aux conséquences de mes choix passés. Je me suis demandé, et si j'avais emprunté une autre voie, si j'avais osé prendre telle décision différente à ce moment crucial de ma vie? Et peut-être que vous vous êtes posé ces questions vous aussi. Peut-être avez-vous fantasmé une autre vie, rêvé secrètement un chemin radicalement différent. Quel regret hante nos pensées lorsque nous laissons vagabonder notre esprit? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous portons tous en nous ces interrogations existentielles, ce désir inavoué d'explorer les vies parallèles qui auraient pu être les nôtres. C'est précisément le sujet que je souhaite aborder avec vous. Le poids des choix qui façonnent une vie, la tentation de la saillie d'or, mais aussi la nécessité d'avancer malgré tout. Pour illustrer mon propos, je vais m'appuyer sur une histoire fascinante, celle de la bibliothèque de minuit imaginée par Matt Haig. C'est un récit porteur de sens dont la protagoniste Nora Seed nous guide dans une odyssée à travers les existences non vécues et nous conduit à une grande leçon de vie. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos chakras et plongez avec moi dans les méandres de l'âme humaine. Préparez-vous à un voyage au cœur des vies rêvées et des destins inaccomplis. En route vers une existence vertigineuse et libératrice à la fois. Notre Nora Seed est une jeune femme tourmentée, accablée par le sentiment d'avoir raté sa vie. À l'image de beaucoup d'entre vous, elle porte le fardeau des regrets des occasions manquées. Son existence lui paraît vide au point même qu'elle envisage d'y mettre un terme. Mais c'est alors que se produit l'événement extraordinaire. Entre la vie et la mort, Nora atterrit dans une bibliothèque aux allures fantastiques. Dans un lieu hors du temps, chaque livre renferme le récit d'une vie alternative, une version parallèle de son existence où elle aurait fait des choix différents. Guidée par la mystérieuse bibliothécaire Mrs. Hunt, Nora entreprend un voyage fascinant à travers les vies qu'elle n'a pas vécues. Tel un Scrooge des temps modernes, elle va explorer toute la palette des « et si ». Et si elle avait persévéré dans ses études? Et si elle était restée avec son grand amour de jeunesse? Et si elle n'avait pas abandonné ses rêves? Autant de portes qu'elle va ouvrir dans ce labyrinthe des destinées inaccomplies. Mais à mesure qu'elle explore ses existences alternatives, Nora se heurte à une réalité troublante. Aucune vie n'est parfaite. Chaque chemin comporte son lot d'épreuves et de désillusions. Même les trajectoires, en apparence idéales, finissent par révéler leurs failles. Désirs inassouvis, liens distendus, drames inattendus. Derrière la façade des vies rêvées se cachent invariablement de nouvelles sources de souffrance. C'est la grande leçon que Nora va tirer de son odyssée métaphysique. Il n'existe pas de vie sans accroc, de destin sans aspérité. Chaque existence est une mosaïque complexe de joie et de peine, de victoire et aussi de revers. Cette prise de conscience s'avère libératrice pour Nora. En acceptant l'imperfection inhérente à notre vie humaine, elle va pouvoir renouer avec son existence réelle, fort d'un nouveau regard empreint de gratitude et de résilience.
Ainsi, l'histoire de Nora est une invitation à embrasser notre vie telle qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres. C'est un appel vibrant à faire la paix avec nos choix, accepter nos regrets pour mieux nous tourner vers l'avenir. Cette fable existentielle entre en résonance profonde avec les questionnements universels qui habitent chacun d'entre nous et nous rappelle avec poésie que le sens de la vie réside moins dans la quête d'une illusoire perfection, notre condition imparfaite. Ce cheminement de Nora fait écho à mon propre parcours, tant sur le plan personnel que professionnel. Comme elle, j'ai été confronté à des moments de choix cornéliens qui ont façonné ma trajectoire de vie. Lorsque j'étais jeune médecin, je me suis parfois senti écartelé entre différentes voies. Devais-je me spécialiser en neurologie, en psychiatrie ou en médecine de rééducation? Chaque perspective ouvrait des perspectives passionnantes, mais impliquait aussi des renoncements. En choisissant la psychiatrie, la psychothérapie, j'ai eu parfois l'impression de laisser en friche d'autres facettes de ma personnalité. J'aurais été plus épanoui en tant que neurologue en explorant les mystères du cerveau ou en aidant des patients à se reconstruire physiquement. Ces questionnements m'ont habité pendant de longues années, un peu à la manière de Nora, explorant les vies non vécues dans la bibliothèque de mes nuits. Mais au fil du temps, j'ai appris à apprivoiser les regrets, à les percevoir non plus comme des entraves, mais comme des tremplins vers une meilleure compréhension de moi-même. Cette expérience intime du doute existentiel m'a permis de développer une empathie profonde envers les patients que j'ai accompagnés au long de ma carrière. Nombre d'entre eux se battaient avec des dilemmes similaires, tiraillés entre différentes options de vie. Je me souviens notamment d'une patiente, Julia, brillante avocate de 35 ans, et s'était présentée à moi en proie d'une crise existentielle majeure. Devait-elle poursuivre son ascension professionnelle au prix de sa vie familiale ou devait-elle plaquer tout pour se consacrer à ses enfants? Ensemble, nous avons exploré les différents scénarios possibles, un peu comme Nora arpentant les rayonnages de la bibliothèque. Julia a pu confronter ses fantasmes de vie alternative à la réalité. Prendre conscience que chaque choix impliquait aussi des renoncements, mais aussi de nouvelles opportunités. Au terme de cette exploration, Julia a réalisé que son désir profond était de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle a opéré des ajustements concrets dans son quotidien, sans pour autant faire table rase du passé. Cette quête d'équilibre que je retrouvais chez de nombreux patients confrontés à des dilemmes existentiels, qu'il s'agisse de bifurcations professionnelles, de choix amoureux ou de questionnements spirituels, le travail thérapeutique a souvent consisté à explorer les différents scénarios, à les évaluer, voir les répercussions possibles pour finalement embrasser le chemin le plus en accord avec soi-même. Et c'est là l'enseignement essentiel que je tire de mon expérience. Si les regrets sont inévitables, ils ne doivent pas nous paralyser. L'importance est d'aller de l'avant, du mieux possible, avec résilience et détermination. Accepter l'imperfection de nos choix, c'est ouvrir la voie à une vie plus authentique et plus épanouissante, en phase avec nos aspirations profondes. C'est renoncer à la chimère de la vie idéale pour embrasser pleinement notre réalité singulière avec ses défis et ses promesses. Ainsi, l'histoire de Nora et mon propre parcours convergent
vers une même habitation. Celle d'avancer sereinement sur le chemin de vie qui est le nôtre, fort de nos doutes surmontés et de nos espoirs renouvelés. Car c'est dans l'acceptation de notre condition imparfaite que réside la clé d'une existence riche de sens et riche d'accomplissement. À celles et à ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui traversent des moments de doute, de désarroi ou de mise en question, j'aimerais adresser un message d'espoir et de réconfort. Je sais combien il est facile de se laisser submerger par des regrets et de se perdre dans les méandres de vie fantasmées et des opportunités manquées. Je comprends la tentation de baisser les bras, de céder au désespoir face aux épreuves de l'existence. Mais je veux vous dire ceci. Aussi sombre que puisse paraître le présent, aussi lourd que soit le poids du passé, il y a toujours une lumière qui brille au bout du tunnel. Cette lumière, c'est celle de la résilience, de la capacité infinie d'être humain à se réinventer et à trouver un sens nouveau à son existence. Comme Nora dans la bibliothèque de minuit, vous avez le pouvoir de choisir votre vie, d'en être l'auteur et le protagoniste. Chaque jour est une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Peu importe les erreurs du passé, les occasions manquées ou les rêves inachevés, pas après pas, en faisant de notre mieux avec les cadres que la vie nous a distribués. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, ni que les doutes disparaîtront comme par magie, mais cela signifie que vous avez en vous les ressources pour affronter les défis qui se présentent, pour transformer les obstacles en opportunités de croissance et d'accomplissement. Alors, si vous traversez une passe difficile, si vous vous sentez perdu ou découragé, je vous invite à puiser dans votre réservoir intérieur de force et de résilience. Faites appel à ces qualités de courage et de détermination et aussi d'adaptabilité qui sommeillent en vous. Et n'hésitez pas à solliciter l'aide de votre entourage de professionnels bienveillants qui sauront vous épauler dans cette traversée. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de sens et d'épanouissement. Si le sujet de la résilience et du dépassement de soi vous interpelle, je vous invite chaleureusement à vous suivre la réflexion sur mon blog combattrelafatigue.com. Vous y trouverez des ressources inspirantes pour vous accompagner dans votre cheminement personnel. Ensemble, nous pouvons apprendre à apprivoiser nos doutes, à transcender nos regrets et à embrasser pleinement la vie qui est la nôtre. Nous pouvons nous entraider à devenir les héros de notre propre histoire, les architectes de notre bonheur authentique. Alors, osez rêver grand, osez croire en vous et en votre capacité infinie à vous réinventer. Votre plus belle vie vous attend ici et maintenant. À vous d'en être l'auteur inspiré et le protagoniste rayonnant. J'aimerais vous inviter à garder en tête les messages clés que nous avons explorés aujourd'hui à travers l'histoire inspirante de Nora Seed et les enseignements tirés de mon expérience personnelle et professionnelle. Accepter l'imperfection de la vie, c'est faire un pas décisif vers la sérénité et l'épanouissement. C'est reconnaître que chaque existence est un kaléidoscope d'expériences avec des hauts et des bas, des joies et des peines. En embrassant cette réalité, nous nous libérons du fardeau des attentes irréalistes, des regrets stériles. Gardez l'espoir
c'est cultiver la conviction inébranlable que des jours meilleurs nous attendent, même dans les moments les plus sombres. C'est puiser dans notre réserve intérieure de force et de résilience pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. C'est croire en notre capacité à nous réinventer et à trouver un sens nouveau à notre existence. Ces deux piliers, l'acceptation et l'espoir, sont les fondements d'une vie riche de sens et d'accomplissement. En les faisant les nôtres, nous devenons les architectes de notre bonheur authentique, les auteurs de notre propre histoire. Je vous remercie pour votre écoute attentive et bienveillante. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement à donner le meilleur de vous-même et à sans cesse grandir et évoluer. Nous avons exploré les questions essentielles, profondes, qui donnent un sens à la vie et qui font naître des pistes de réflexion, de nouveaux élans d'espoir et de créativité. Car l'avenir vous appartient avec son infini d'opportunités et de promesses. Chaque jour qui se lève est une invitation à vous réinventer, à oser rêver grand et à concrétiser vos aspirations les plus nobles. Alors, n'ayez pas peur d'embrasser l'inconnu, de sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. C'est en osant faire le premier pas que l'on devient l'artisan de sa propre métamorphose. Je vous souhaite de tout cœur de cultiver cette soif d'apprendre, de grandir et de vous dépasser. Que votre quête de sens et d'accomplissement soit une source intarissable d'émerveillement et de gratitude, de connexion. N'oubliez jamais que vous avez en vous toutes les ressources pour façonner une vie à la hauteur de vos rêves et aussi de vos espérances. Votre plus belle histoire ne demande qu'à être écrite page après page, chapitre après chapitre. Alors soyez l'encre lumineuse qui trace le récit de votre existence. Soyez l'étoile qui guide vos pas vers un avenir toujours plus rayonnant. Votre odyssée intérieure ne fait que commencer, riche de tous les possibles. Je vous remercie pour ce moment privilégié de partage et d'introspection. Prenez soin de vous, nourrissez votre lumière intérieure et osez être l'auteur audacieux de votre destinée. Plaisir de pouvoir poursuivre cette réflexion ensemble, ici ou ailleurs, dans cet élan commun vers une vie plus riche de sens et d'authenticité. Merci.